Si vous voulez pas avoir une peau niquée comme moi, ne percez pas vos boutons. Salut à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu voir, je me suis rasé la tête. En fait, justement, je me suis rasé la tête pour parler d'un truc dont je voulais parler depuis pas mal de temps, mais je savais pas trop comment l'amener. De nos jours, bon, c'est mon avis, hein, mais je trouve que les gens se focalisent trop sur les cheveux. J'ai eu beaucoup de réflexions comme quoi moi je devrais, enfin je regardais mes cheveux plus haut et peut-être me faire un petit dégradé sur les côtés comme genre tout le monde fait pratiquement. Sauf que les gens ils comprennent pas que ça fait depuis que je suis depuis que je suis tout petit que j'ai toujours les cheveux courts, enfin les cheveux à peu près à cette hauteur là, enfin même si là j'ai quand même un peu forcé, pas les cheveux hauts en fait. J'ai jamais eu des cheveux très hauts. Et ça j'en parlais avec pas mal de potes qui me disaient oh tu devrais te faire un dégradé, tu devrais faire une petite coupe, genre garder tes cheveux bien épais au-dessus, je t'assure ça t'irait bien nanana. Même si c'était obligé, même si les personnes qui restent leurs cheveux comme moi n'avaient pas de goût, rendaient archi mal, etc. Bah après évidemment avec cette coupe de cheveux je peux plaire ou je peux pas plaire, il y a des gens qui vont trouver ça beau, il y a des gens qui vont trouver ça dégueulasse. Mes frères par exemple aussi ils ont le dégradé là, donc c'est bien court ici, bien haut au-dessus, ils aiment par période en fait, ça dépend des fois. Mais je comprends pas que les gens ne comprennent pas qu'on puisse aimer avoir les cheveux rasés comme ça en fait. Perso je m'aime bien avec les cheveux comme ça. Je me préfère avec les cheveux très courts comme ça, enfin un peu plus haut, un tout petit peu plus haut, genre une épaisseur ou un peu un petit liseré noir enfin sur la tête, j'aime bien. Et comme ça, en vrai, ça me va très bien aussi. Moi de toute façon je porte tout le temps des casquettes, je suis H24 avec une casquette. Même en hiver je porte une casquette en fait, c'est pour vous dire. Mais justement en parlant des casquettes, maintenant il y a énormément de gens qui sont obligés de se justifier quand ils en portent une en mode je me suis pas coiffé, je vais devoir porter une casquette. Il fait trop chaud, il y a du soleil, je vais devoir porter une casquette. Mais on pense plus du tout à la casquette en tant qu'accessoire de style quoi. Moi je le porte vraiment parce que je trouve ça beau, je trouve que ça complète une tenue, je trouve que ça fait des rappels de couleurs, je trouve vraiment que ça élève le style tout simplement. Enfin j'ai pas besoin de me justifier pour porter une casquette. Après effectivement ça peut servir dans le sens où si tu ne t'es pas coiffé et tu ne t'assumes pas avec les cheveux pas coiffés, ça peut servir une casquette évidemment. Faut penser à certaines personnes qui ne pensent pas forcément que la casquette c'est pour se cacher, dans le sens où quand tes cheveux ils sont pas coiffés, ou se protéger du soleil. Moi vraiment comme je l'ai dit, je porte par tous les temps une casquette. Je porte quand il pleut, quand il neige, quand il y a du vent. Enfin le vent on s'en fout, mais enfin les intempéries ça me dérange pas pour porter une casquette. Moi après elles sont un peu niquées, c'est pas grave, ça me dérange pas. Donc perso je porte pas de casquette pour me cacher. Je m'assume parfaitement et les mecs qui ont les cheveux très courts devraient s'assumer aussi. Je sais aussi que pour beaucoup de personnes c'est pas un choix. Perso je pense que si dans cette situation, à mon avis vu la forme là, ça part en calvitie, t'as vu. C'est pas une tare. En fait, je sais pas si j'aurai une calvitie plus tard, parce que j'ai toujours eu cette forme de cheveux depuis que je suis tout petit, en fait. J'ai toujours eu ce creux, là. Mais je sais que c'est caractéristique des calvities, c'est pour ça que je pense que je vais partir en calvitie plus tard. Mais les mecs qui ont peur de ça, les mecs qui actuellement ont une calvitie, qui, genre, pour eux, c'est terrible. Enfin, je sais pas, je comprends pas, en fait. Si vous avez une calvitie, rasez-vous la tête. Je sais pas si vous voyez où je veux en venir, mais genre, porter une casquette, t'as pas à te justifier si tu portes une casquette. Porte-en une parce que tu trouves ça beau. Porte-en une parce que ça complète ta tenue, parce que ça va avec ton style, ça va avec toi aussi, évidemment. Un style plutôt street, je trouve ça va parfaitement avec mon style, c'est vraiment strict la casquette, donc enfin c'est normal d'en porter. Mon bahut, genre j'étais H24, vous pouvez demander à n'importe qui était dans le même bahut que moi et qui me connaissait un minimum, j'étais H24 avec une casquette, ça allait toujours, enfin je faisais toujours attention de les accorder avec mes tenues, c'est pour ça que j'en ai de plus en plus maintenant, ça fait partie de mon style, d'ailleurs il va falloir que je m'achète d'autres accessoires sur la tête parce que je kiffe ça, mais je les porte pas pour me cacher ou quoi, je m'assume parfaitement, d'ailleurs il y avait pas mal de mes camarades, enfin j'aime pas utiliser ce mot de mes des gens qui étaient dans mon bahut quoi. Ils me teasaient un peu parfois quand j'arrivais avec la tête complètement rasée et tout, ils adoraient me toucher le crâne. En fait, ils me titillaient parce que parfois, enfin, mais même cette fois-là, là, en fait, je me suis rasé moi-même et parfois il y avait des trous, il y avait des endroits où c'était pas homogène. Mais perso, la coupe de cheveux, je m'en tape. Et quand je vous dis je m'en tape, mais je m'en tape à un point. Ils me disaient ah ouais, t'as des trous à des endroits, c'est pas homogène, ça fait pas beau et tout. Moi, je m'en fous. Dans deux semaines, ça repousse. C'est des cheveux. Surtout que moi, mes cheveux repoussent extrêmement vite. Ce paradoxe, parce que moi, je veux pas du tout qu'ils repoussent. S'ils pouvaient rester dans cet état-là, genre 1 cm de plus, ce serait vraiment parfait. Donc pour conclure, je ne mets pas de casquette pour me cacher. J'assume parfaitement ma coupe de cheveux. J'assume aussi que j'aurai peut-être une calvitie quand je serai plus grand. Et je le dis pas en souriant pour faire genre que je le vis bien. Je le dis en souriant parce que clairement, je m'en tape. Même s'il y avait peut-être que les visites plus tard, je pense que j'aurais quand même gardé les cheveux très courts parce que je porte toujours des casquettes, tout le temps. Et je trouve ça beau. Je porte des casquettes depuis maintenant... Depuis 2 ans maintenant environ. Donc maintenant les casquettes ça fait vraiment partie de mon style. Donc je le répète, je le re-répète, je le re-re-re-répète, je le porte pas pour me cacher. Et les personnes qui ont le crâne rasé comme moi ou une calvitie devraient pas se cacher non plus. Faut s'assumer comme on est en fait. Comment tu veux que les gens te voient comme quelqu'un qui a confiance en toi si tu ne t'assumes pas toi-même? Faut être réaliste. Donc voilà, c'était ma petite vidéo où je voulais parler de cheveux. Genre les mecs qui n'ont pas de cheveux, je sais qu'il y en a énormément qui complexent, qui bah de base avaient une grosse touffe et qui ont commencé à perdre progressivement leurs cheveux. Faut vraiment pas complexer en vrai. Parce qu'il y a plein de gars que je trouve beau gosse avec rien sur le caillou. Hein. Après ça dépend des goûts. De toute façon vous oublierez forcément quelqu'un, forcément. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite à me suivre sur Instagram aussi. Mon Instagram je vais le mettre juste ici. Je poste des photos de looks très simples, hein, des looks simples comme moi. Donc si ça vous intéresse d'aller voir, bah allez voir. N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Tchuss. Don't stress your mind.